problématiques du quotidien, on en parle dans Ambafeuille en s'approchant au plus près de la population civile concernée. Dans ce numéro, nous nous intéresserons particulièrement à nos SDF, les sans domicile fixe ou encore familièrement appelés en Guadeloupe PARO. Comment la population réagit-elle à leur contact? Pourquoi sont-ils dans la rue? Sont-ils accompagnés par des professionnels? Pour en savoir plus, nous nous sommes rapprochés de ceux concernés directement par ce sujet, l'envers du décor en images. Pour commencer, que pense la population de nos SDF? Je dirais que sur le plan culturel, la Guadeloupe n'a pas vocation à avoir des SDF. Nous sommes proches à la famille à nous, mais il faudrait peut-être qu'elle nous réagisse, sauf si nous entrons dans une forme de européanisation galopante qui a fait que non seulement voisins nous pas une grande importance pour nous, mais même famille nous ignorer. Les SDF à nous, en fait, ils ont tendance à se déplacer. Tandis qu'à Paris, j'ai l'impression qu'ils sont plus statiques, ils attendent, mais eux, ils se déplacent, ils essaient d'aller trouver des choses à faire. Moi, je ne suis pas jeune. Quand moi, j'ai vécu, il y avait un endroit qu'on mettait les enfants qui sont maltraités, les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, hein, de mettre un endroit pour ces enfants-là. C'est pourquoi il y a tant de délinquants. C'est quand même un peu dommage qu'en Guadeloupe, on est arrivé à ce stade quand même. Mais que voulez-vous, il y en a qui sont là peut-être par leur faute, il y en a d'autres, c'est à cause du manque de travail. Enfin, il y a tout un amalgame qui fait qu'aujourd'hui, ils sont peut-être dans cette situation. C'est tous les jours, les SDF. Mais je leur comprends leur sort aussi, mais il faut qu'ils nous comprennent aussi parce qu'ils viennent mettre surtout les clients qui mangent en terrasse. Tu vois, et quand tu leur dis de partir, ils ne veulent même pas. Il faudrait peut-être penser à les aider, essayer de trouver un bon moyen pour eux, quoi. Essayer de créer une association pour pouvoir les encadrer, les nourrir, ou voir faire un truc de bien pour eux. Et puis voilà. Sinon, après, moi, ils ne me gênent pas, mais bon, il faudrait bien les aider, quoi. De retour, rapprochons-nous de professionnels du terrain, tels que l'association Saint-Vincent-de-Paul à Pointe-à-Pitre, centre de réinsertion et d'action sociale existant depuis 1973. Aujourd'hui constitué d'une centaine de bénévoles, le foyer Saint-Vincent-de-Paul accueille les personnes atteintes de troubles du comportement, toxicomanes ou encore alcooliques. Saint-Vincent-de-Paul est composé de différents services d'accompagnement adaptés pour suivre au mieux les usagers de la structure. Le service social est le service principal de cette structure. Marie-Lyne Ludger, responsable du pôle social, nous parle du profil des usagers fréquentant le centre. Notre public cible, ce sont des personnes très marginalisées. Ça a été notre public durant des années, avec une addiction ou d'autres difficultés, problématiques on va dire. Très rapidement, au fil des années, on s'est rendu compte que le public avait beaucoup changé, était devenu le tout public, à savoir nos usagers, certes, puisque sur le même site, nous avons le pôle social, le pôle santé, l'hébergement de nuit, que je peux décrire. Mais ensuite, on a vu apparaître des familles. On a vu apparaître ce qu'on appelle très récemment les travailleurs pauvres. En parallèle, écoutons un SDF d'origine haïtienne, présent sur l'île depuis, selon ses dires, quelques années maintenant. Il y a Jean, là, oui, là, c'est là, oui, là, c'est pour son cacaillé. Et mon casier est fait pour famille, mon cas, on est des timons, et on est madame à case. Et mon casier pour tes manœuvres pour mon bail manger, parce que l'hôpital m'a aidé. Et lui, dans mon cas, il s'en lance. On l'a dans ce lampagne, il est là pour faire un seul. Et mon cas réfléchi, pourquoi la ville va être comme ça? Revenons du côté de Marie-Lyne Ludger, responsable du pôle social de Saint-Vincent-de-Paul, qui nous explique les particularités des services donnés de sa structure. Donc ce service-là a pour mission première d'accompagner l'usager. Dans un premier temps, par un accueil approfondi, détaillé, une évaluation de la situation, savoir s'il y a une réponse qu'on puisse apporter intramuros ou bien une réponse où on fait appel à des partenaires extérieurs. C'est un service qui prend l'usager au moment où il arrive et qui l'accompagne tout au long. C'est tout un parcours. Alors, comme la notion de temps, elle est très importante dans la mesure qu'on ne peut pas avoir un usager et se dire du fait qu'il y a la même situation, ça veut dire exactement la même réponse. C'est pas possible. En complément, nous nous sommes rapprochés de Tony, animateur de la boutique de Saint-Vincent-de-Paul, lieu de détente des usagers qui nous parlent de son travail au quotidien. Au quotidien, c'est toujours le même boulot aussi. On sert le petit déjeuner, on reste la journée, on s'amuse, on fait. Les gars s'amusent, on joue au domino, on fait des distractions de belote, on fait. Le temps passe, ensuite le déjeuner arrive, on sert le déjeuner, on est là avec eux jusqu'à 4 heures. On essaie de faire un petit peu ce qu'il y a à faire avec eux, quoi. Les SDF, parfois vous allez trouver ceux qui sont un peu gentils, mais souvent nous avons. Ici, là, nous avons des gars vraiment
qu'ils ont des problèmes psychiques. On a beaucoup de gars qui ont des problèmes de la tête et tout. Mais on essaie de faire avec eux, de gérer un petit peu avec eux pour voir comment ça se passe, quoi. Parlons maintenant du rapport des usagers de Saint-Vincent-de-Paul avec leur famille. C'est vrai que tout au début, nous n'avions pas du tout la famille. Hein. La famille, on n'avait pas tellement d'éducation par rapport à la famille de l'usager, qui refusait d'ailleurs hein, d'avoir aucun contact avec sa famille, ce que l'on respectait, puisque c'était son droit, son choix aussi. Mais depuis quelques années, ça a beaucoup changé. Quand je parle de pour nous, tous nos usagers, il y a des familles effectivement qui se présentent, qui viennent nous voir, qui ont entendu par le bouche à oreille, bon voilà, telle personne se trouve à Saint-Vincent-de-Paul, et qui se rapprochent de nous et qui font, nous font état d'un certain nombre, en tout cas, de faits. Et ça permet aussi de mieux nous éclairer dans notre évaluation aussi, puisqu'on s'est tenu simplement à ce que nous avait dit l'usager. Et ça nous permet de retisser aussi des liens, de faire une médiation familiale. C'est très, très important quand la famille sort de l'ombre. Finissons dans les rues de Pointe-à-Pitre à la rencontre de SDF. Un présent dans les rues de la ville depuis presque une décennie accepte de nous parler. Eh bien, je vis, il y a ça, c'est bien. Et je me porte bien, mais elle a dû faire pour le mal. Peut-être qu'on me voit comme ça, on me juge, mais l'essentiel, c'est de ne pas faire des choses pour entrer encore. Qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui? C'est-à-dire? Pour plus tard. Pour moi ou bien pour plus loin? Eh bien, rester comme ça, ne pas commettre des erreurs. C'est ça, tu vois? Des erreurs dans la vie, dans la société, avec les gens, pour entrer en prison encore, quoi. Ne pas tomber dans la déchéance, et tout comme ça. Ne pas finir dans la déchéance. Tel semble être le souhait de cet homme. Mais qu'est-ce donc que la déchéance à ses yeux? Accepter que ces hommes et femmes préfèrent rester vivre dans la rue? Anciens cadres, professeurs, chefs d'entreprise ou en situation irrégulière? Ce sera tout pour ce numéro dans ma feuille. La prochaine fois, nous parlerons du phénomène de violence associé aux jeunes. Comment expliquer cette montée de violence? Comment réagissent la population, les professionnels et évidemment les jeunes? Tout ça, nous le verrons dans notre prochain numéro dans ma feuille.